Bonjour à tous. Bonsoir même à ceux qui passeraient plus tard, bien évidemment. Bienvenue sur ce petit live du matin, pour changer. Sur Kingdom Hearts. Ouais, coucou Matt. Laisse tomber le micro, j'ai pas fait le modif. Bon, de toute façon, hein. Vu qu'on va pas se parler. Pam, pam, pam. Me suis servi de voice meter banana. Non. C'est quoi, c'est un truc qui calcule ton débit en forme de banane, c'est ça? Table de mixage très connu. Monsieur, mon rendu son, j'aime pas le rendu. Du coup, j'ai laissé tomber. Tu m'étonnes. Bon. Chain of Memories. J'ai réussi à me faire entendre plus fort. Mais mon son de jeu, ou quoi, j'aime pas, du coup voilà. D'ailleurs, comment tu vas faire pour jouer à Pokémon alors que le son est sur la Switch? T'as deux écouteurs? Deux paires d'écouteurs? J'aurai pas le son de la Switch. Oh mais c'est dommage ça. T'auras pas le son des musiques et tout? Je vais me mettre des OST. Ouais. Bon, du coup, nous, on en était à là. Là, c'est que ça va être une porte. Une porte dorée, ici, je sens. Je me sacrifie, tu comprends. Mais moi, je ne veux pas que tu te sacrifies. Là, c'est quoi? C'est ça. Alors, on est en arrière parce que je crois que je m'étais dépêché, j'avais pas combattu les monstres, du coup. Ah non, j'avais mis des cases... Des cases rapides, plutôt, alors. Ouais, j'avais mis des cases de coffre au trésor sur les derniers. Et qu'est-ce que tu veux? Bah... déjà... pas entendre ta voix. Non, c'est bon, j'ai déjà vaincu tous les monstres du coup. Ok. Alors, je peux baisser un peu le son pour moi. Hier sur Far, sur Pokémon, comme le jeu il bug de fou. Ouais, ce qui paraît, il y a même un bug. Bon, et normalement il y a un patch qui est tombé là. Mais il y a un bug qui t'empêche tout simplement de continuer l'aventure. A priori. Yeah.
J'irai manger, je sais pas quand. Oh, bah, en espérant que ça tombe pas sur le boss de fin. Pour toi, j'imagine. Je pense que si, merde, ça va. C'est même sûr. Tu manges à quelle heure d'habitude? À 13h? Ok, ça lui passe carrément à côté. Ça dépend. Et aujourd'hui, je me dis 13h30. La famille qui n'a aucun rythme dans la nourriture. Quoi. C'est pas bon de manger à des horaires différents. Hein. Ouais, mais c'est pas moi qui dessine. On dirait Fanta. En vrai, je suis bien en carte, hein, je trouve. 13h, je vais manger, ouais. Ok. Tellement puissant ce truc. De perdre du temps. Ah bah j'ai toujours dit que moi les repas c'était une perte de temps pour certains trucs. Pour ça que généralement je bouffe en 5 minutes puis ensuite je reprends. Mais bon, quand ta famille veut que tu restes à table. Ah oui, les tornades de feu, c'est vrai. État. Ça. Ça peut
truc infernal ou je ne sais quoi, voilà, rageux. Ah ouais. Utiliser joystick gauche pour contrôler la direction de l'attaque. Je teste. Mais il faut pas que ce soit des ennemis de fou comme là maintenant. Tu disais qu'on m'entendait bien sur les tours. Ouais, en fait, c'est... Je sais pas. Du coup, ça doit vraiment venir de mon Discord où tous les autres sont en priorité et pas toi, en fait. Bah. Ok. C'est pas feu... Vent... Non, c'est vent, feu, peut-être. Vent, feu, feu. Ah d'accord, j'ai fait le contraire. On va faire une case sur deux, une sauvegarde, comme ça on sera bien. ...22h56 hein, quand même. Dernière fois j'y ai joué quoi, 3h? C'est-à-dire que j'ai passé 19h sur le jeu pour attraper les conneries de la play. Alors d'un côté ça c'est pas logique. On te fout plein de vie dans un espace sécurisant où de toute façon t'iras sur la sauvegarde pour reprendre de la vie. Autant mettre des mogs. Ou alors c'est vraiment au hasard et j'ai pas eu de chance là pour le coup. Allez, plein d'ennemis. Oh, c'est quoi ça? Pas mal quand même. Sur un boss ça fait super mal j'imagine. Bon, sur le prochain boss on va tester plein de trucs hein. Qu'on perde ou pas, autant tester des trucs. C'était un mouchou, je crois. Aïe. Pourquoi j'ai sauté? Yeah.
Ça a touché ceux qui sont apparus tout de suite. Oups. Je monte quand même énormément de niveau. Mais gars, attendez, dans le World Bass Leaf, c'est un petit... Là, j'imagine. Et je me dis que je devrais placer le méga atomium en premier, comme ça je pourrais le faire au cas où il y ait des fourmis. Et ensuite taper. Et j'ai fait un rêve cette nuit sur ce jeu. Ah bah ça c'est... C'est mon influence ça. En gros, je jouais et j'avais des cartes qui te permettaient de te transformer en gros monsieur. Il faut taper dans le dos là. Et genre, il donnait soit des coups de poing, soit il faisait une roulade, c'était quoi? Ça, c'est à cause de Shoji, ça, hier dans le tournoi. Des mages, ça va être compliqué. En vrai, ça, on peut chasser les mages qui résistent pas au feu. Freeze.
Ça, ça fait exploser l'énergie de feu. Il va falloir que je recharge pour une fois. Merde. Le petit Ragnarok qui fait plaisir. Tu vois, j'ai bien calculé mon coup. Pour que ça... Mais la carte, c'était une carte couleur malus. Ah. Alors c'est vrai que comme mécanique, ça aurait pas été... mauvais, quoi. Les cartes malus, tu te transformes en le monstre que t'invoques. Merde, il était loin. Soin 8, oh, attendez. Soin 4, soin 6, on pourrait mettre un soin 8 ici. Du coup, je me dis Mouchou. Je vais le placer au début. Comme ça, pour les endroits où il y a juste des ennemis comme ça, je fais ça. Ça fait le ménage dès le début. Mais ouais, je descends. Dans pas longtemps, monter de niveau encore une fois. Je devrais monter d'un niveau par case. Non, qu'est-ce que je vais faire? Niveau 62 quand même. Là c'est bon, j'ai nettoyé le coin. Ici aussi. Il doit y en avoir un par là, là. Voilà. Là, les
les ennemis sont nombreux. Ah, ça m'énerve quand il vise un truc alors que je veux aller devant. J'ai réussi à faire syndicat avec Raiden. Bien joué. Tu vois qu'elle est meilleure que Miko. MDR, tu disais! Non, mais Miko, ça compte pas parce qu'elle a son arme. Donc elle compte pas en fait. Même sans son arme, elle aurait fait autant. Même sans son arme, elle aurait fait autant. De toute façon, j'ai déjà dit, hein, mais choisir Miko, c'est choisir la facilité. C'est honteux. TG, t'as Zhongli, tu me chies quoi là? Bah, Zhongli, c'est pas la facilité, c'est une stratégie. Il fait pas de dégâts, Zhongli. Bah là-bas. Moi je pense que c'est juste jaloux. Bah non, comment être jaloux de quelqu'un qui met de l'argent dans le jeu? Je vois pas du tout comment. Je me fais allumer dans 3, 2, 1. Qu'est-ce que c'est? Bonne étoile. J'ai pas entendu ça bug, Nappa. Ouais, Nappa c'est un personnage de DBZ, ouais ouais. Correcteur de merde. Take this!
On va encore monter de niveau, c'est pas possible. C'est ça qui me fait dire que peut-être on n'est pas au niveau pour le boss final, mais... C'est juste que mes cartes, elles sont bien arrangées, en fait. Donc je fais... beaucoup de dégâts. Ça fait plus de niveau de mage, ça. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah non, c'est tout. Ok. Semaine pro, ça va farm le robot serpent. Pour Miko? Elle a besoin du robot serpent? Ou c'est pour le nouveau perso? Eizo? Ah, ouais. Non! Il me fait avoir à chaque fois. Lui au-dessus. Objectif, le petit Eizo MDR. Bah désolé si tu parles trop vite, hein. Faut penser à ceux qui jouent. Excuse de vieux. Ouais, je suis vieux. C'est ce que j'arrête pas de dire au boulot, mais il me rigole dessus. Peut-être parce que la moyenne est 35 ans. J'aime me foutre de leur gueule. Daddy Frank. Have some nerve to show your treasonous face around here. Some nerve indeed. Treasonous? I don't know what you could possibly be talking about. Why let Naminé go? If it weren't for your needless meddling, we could have turned the Keyblade Master to come and serve us. Oh, right, your big plan. You use Naminé to rewrite Sora's memory piece by little piece. And he turns into her total puppet. Then, using Naminé and Sora together, you and Larxene overthrow the organization. Am I right? I would say that you are the traitor, Marluxia. Since when were you suspicious of us? Do either one of us have the heart to believe anyone? So you only eliminated Vexen to obtain proof of our plan. That I didn't want to do. But it was your order. Oh. Remember the order. You must eliminate the traitor. I always follow orders, Marluxia. Cool. Yeah.
Mais reviens là, toi. Bonne étoile. Attends, j'ai gagné 3 niveaux dans l'autre pièce d'avant. Ouais, putain. Ça fait beaucoup. On en est où? Bah, on approche, hein. Ah bon? Une pièce dans le noir, pourquoi pas? Ouais, celle que t'as pas. Mais... c'est méchant! Oh, au moins ça fait le ménage. Ouais, c'est ça, ça se met sur ceux qui apparaissent après aussi. Donc là, il y a un mur. Enfin, c'est juste que l'effet, il reste longtemps. Oh, ça me fait faire le tour. Dommage que ce soit pas les grosses fourmis. Elles donnent énormément d'XP. Ha.
Il y a zéro texture, tu joues à Pokémon. Tu vas te taper une barre. Je fais regarder ces beaux paysages à perte de vue. Un gros pâté de texture. T'as été te spoiler pour ça? Ou c'est un truc que t'as vu sur TikTok? Non mais clairement on en reparlera dans le jeu, mais pour moi en fait c'est qu'ils ont pas eu assez de temps pour faire le jeu. Les jeux Pokémon, il faut toujours qu'ils soient faits à la chaîne pratiquement. Quand tu vois des jeux ultra beaux sur Switch, et quand tu vois ce qu'ils ont donné sur Pokémon, la caméra aussi qui trigger. Yes. Doit être le dernier de la pièce. Surtout qu'ils veulent pas d'aide. Aussi, ouais. Bah sinon ça reviendrait plus cher, j'imagine. Level up. Ok. Je pense que ça doit être bon, on a vaincu tous les monstres du coin. L'histoire du jeu n'a aucun sens, tu verras quand on y sera. Ok. Ouais, quand tu vois que quand tu tues des fourmis, juste 2 ou 3, tu fais plus 1000 d'XP, c'est quand même très intéressant, c'est très très intéressant. Yeah.
Dommage que ça n'aille que sur un. Ok. Rien d'autre par ici. Ok, ok. Ok. On va partir sur un petit coin de sauvegarde qu'on ne peut pas... Ah si, le 0 ça compte. Je savais plus si ça fonctionnait. Et là 99 fois 3 pour le boss. 99 fois 3. N'importe. Ah ! Oh putain. Ça voudrait dire qu'il faudrait que je reparcours le monde entier pour faire des combats à l'infini. Non mais c'est pratiquement sûr que ça va être cher en plus. Ah non. Un. Oh ! Si, y a bien un 99. C'est tellement du foutage de gueule! N'importe quoi.
m'en fous, hein, j'utilise tout. Un zéro, ça comptait pas. Larxene paid the price for disloyalty when she disappeared. You must do the same. The organization's betrayed. In that name, I will annihilate you. That line's not you. Well, had to try it once, you know. Is that your shield? Won't do you any good, I'm afraid. I wonder. Are you listening, Sora? Oh? Axel says he's willing to harm Naminé to get me. You won't let that happen, will you? Oh, come now. You're Marluxia's puppet already? After I finish you, he's next. Now, so go changer de deck, allez. Bah ouais, le feu. We've got more in common than you might think. I'd really rather not fight. Si je dois l'affronter, faut que je change. But I okay. Can't dishonor the organization now, can I? On va essayer sans. Mais Il a beaucoup trop de PV pour que ça... D'accord. Ouais, non, laisse tomber. Je peux même pas quitter. Bon, bah, faut se laisser tuer. Putain, je venais pour vaincre Marluxia, moi. Par contre, si on doit combattre d'affilée lui et l'autre, et que l'autre résiste à la glace, ça va être un peu chiant. Attendez, on va quand même laisser ce deck là comme il est.
et on va en faire un autre. En vrai, je sais pas parce qu'il est bien en plus. Hein. Juste remplacer le feu par de la glace en fait. Dommage qu'on puisse pas copier. Hop. Ouais, on reteste. Non. Putain. J'avais perdu mes cartes zéro. Je trouvais plus mes cartes heal ni mes cartes zéro. Fais chier. Si proche en plus. Ha!
Thunder! Freeze! Freeze! Let the flames burn! Thunder! Okay! Wind! Burn, yes, baby! Heal! Et y a plus autre, y a aucun moyen de s'enfuir de son enchaînement. C'est horrible. À se TP. Déjà quand il se TP je le perds de vue. J'ai plus de zéro. Apparemment, je vais manger tout seul, mais du coup, je vais suivre sur mon tel. Ok. Pourquoi ? Parce qu'ils partent tous au restaurant ? Ils ont d'autres trucs à faire sur leur jeu. It was worth saving you after all. Saving me? What do you mean? Ah ouais. Sorry, I would hate to kill the suspense. Axel! Ah ouais, donc tes parents, en fait, ils te forcent à aller à Tam, mais quand c'est à eux d'aller à Tam, ils y vont pas, quoi. J'aille où du coup? Voilà, j'imagine. T'inquiète, quand je demande de manger plus tôt, ils le font. On peut pas retourner dans sa salle. Mais peut-être par là après, mais il n'y a pas de truc de l'autre côté. Et on m'a fait revenir en arrière, donc je me dis peut-être qu'il faut que je revienne totalement en arrière. Aller par là.
quand même 1000 mog. Hein. Je pourrais me mettre une petite boutique. Tiens, on peut accéder par là comme ça? Marrant ça. Je pensais pas que ça faisait comme ça. Donc là, c'est pas par là, c'est sûr. C'est pour un coffre au trésor. Je vois. Ok. On va se mettre une boutique mode. Des mouchous plus haut, ça c'est bon ça. Alors, mouchou. Je vais remettre le 1, histoire d'être sûr de pouvoir remettre autre chose, mais... ...180... ...20... Ouais, c'est bon, je peux mettre un mouchou au-dessus. Hop. Du coup, je vais pouvoir décaler une flamme. Elle, on va la mettre là. Elle, on va la mettre là-haut, histoire d'équilibrer. Ensuite... On va mettre le 0. Ça, ça coûtait cher en 9,72. Waouh! De quoi? De 72? Mouchou. Ah. Là, du coup, je reviens ici. Et sinon, il faudra que je descende. C'est juste pour vérifier. Parce que ça se trouve, ça va activer des cinématiques, en fait. Que des cartes de merde.
censé être des salles au trésor. Comment ça, j'ai pas débloqué celle de... De toute façon j'ai rien. C'est juste le chemin en fait que j'ai pas débloqué. En fait c'est juste pour voir parce qu'on sait jamais quelle cinématique va s'activer et tout. Comment ça, pièce inconnue? Et genre, il y a une pièce qui est déjà ouverte? Ah! Bon, elle était déjà ouverte, donc je me suis pas posé la question. You've defeated Axel. The Keyblade's power. How I've longed to make it my own. Let Nominate go! You've no chance of winning. Nominate. Erase Sora's memory. But if I do that... That's right. Sora's heart will be destroyed. His heart destroyed? You can do that! I'd rather have preferred him unmarred. But he can be rebuilt, more to my liking, with time. Nominate, do it. No. Sora forgave me even when I deceived him. So how could I destroy his heart? There's no way! I don't care what happens to me. I won't hurt Sora. I won't do it! Then you will. Do it, Nominate! I don't care. You can erase my memory. Sora, why'd you say that? Because who will I look after if I don't have... Nominate. So just do it. Erase my memories. Destroy my heart. I promised. I'll always protect you. You have to believe me. Sora. I don't need any memories to take on someone like Marluxia. You bet. Even if Sora forgets it all, Goofy and I won't forget. Donald's right. He and I can remember everything for Sora. See? I'll have all my friends' memories, so I can piece my own together again. You ignorant fool. If Nominate uses her powers to erase your memory, you'll be nothing but an empty shell. Your heart will no longer en gros, t'as tapé Axel, mais il est gentil. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Just like Vexen's pathetic imitation of your Riku. Take another guess. What? It can't be. Riku! No. Just an imitation. You're a shell. A shell who has had everything taken. Everything! What can you possibly think I ever had? Both my body and my heart are fake. But there is one memory I'll keep. Even if it's just a lie. Whether it was a phantom promise or not, I will protect Nominate. Imbeciles. You would knowingly shackle your heart with a chain of memories born of lies? You would be one who has a heart, yet cast aside your heart's freedom? You turn from the truth because your heart is weak. You will never defeat me! Alors, en espérant qu'il résiste pas à n'importe quoi. Oh.
Thunder! Yeah! Fire! Fire! Freeze! Yeah! Heal! Your heart shall be judged! Take this! Il est ultra résistant. Your heart shall be dead. Fire. Oups, trop loin. Il va me bloquer. Your heart shall be judged. Thunder. This is it. Bon. Il m'a bloqué, c'est ça? J'ai plus de heal. Hein. C'est chaud d'aller chercher les cartes quand on en a plein. Pratiquement sûr qu'il y a une seconde phase. Là, il était beaucoup trop passif, on va dire. En tout cas, je trouve. Il faisait presque rien. Après, c'est peut-être sa façon de se battre, je sais pas. You could say that. However, what you destroyed was merely an illusion of me. Évidemment. So what? Another imitation. He's really in there? Yes. I knew it. I can feel his power. It's trying to destroy my heart. Gorge, we'll just take care of him together. Sora, come on. Riku, bah, j'espère que ça va sauvegarder là. You don't mind? Should I? All right. Ah. Une re sur PC.
Et les gens qui disaient qu'il y avait une aventure avec Riku, hein. Ou alors c'est après, mais bizarre. Here in this world of nothingness. De quoi? Bah, des fois, il y avait des gens qui venaient en disant « Ouais, mais il y a l'aventure avec Riku. » En disant « Il y a deux aventures différentes. » Drown in the ever-blooming darkness. Genre, une fois qu'on a terminé Sora, ça nous montre ce que Riku fait de son côté. On voit pas ses cartes. C'est comme un monstre normal. Genre, il était obligé de faire cette attaque parce que si je le bloque... Non, c'est bon. Wouah ! Je vois plus mes cartes. Oh, ça ! Si je perds, je sais quel genre de carte je mets. Mais le Riku, celui qui est censé avec mes cœurs, on sait rien. Fermer la porte de côté des ténèbres, mais on sait plus rien. Ouais, mais est-ce que c'est dans ce jeu? Encore une autre phase? Ragnarok trop fort. Oh ouais. Le gars, il a un stand à la Jojo, quoi. Alors 6, ok. Your
judge. Scatter to oblivion. Mes cartes. Your heart will be scattered. Do you want to scream? No good. Win. Heal. No good. Yeah. Behold, the cards will determine your fate. J'ai. Je sens que je vais perdre. Je mettrai plein de Ragnarok. Fais chier avec ça. Mais mes cartes. C'est pas vraiment drôle. Plein de fire aussi. Bah déjà le corps à corps, je pense que c'est mort avec lui. On va mettre des Ragnarok. Des Fire, on va enlever le Mushu. Ben, clairement le corps à corps. Par contre, j'espère vraiment que on va pas recommencer au niveau d'avant. Chier! Non, ça par contre, c'est vraiment casse-couille ça. C'est même pas le heal en fait qui va me manquer déjà. Mais petit fire level 0 qui finit. Oh la vache. En vrai ça va, mais en fait ce qui est vraiment ultra chaud c'est de gérer les cartes. Par contre ouais, il est ultra stylé. Ce qui est ultra chaud c'est de gérer les cartes en fait. Parce que quand t'as de quoi contrer, il faut aller le chercher.
Ah ouais, il peut vraiment la fermer pour toujours, quoi. You okay, Riku? Not Riku. Ça aurait été énorme en mode Marluxia. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Le héros, il fait « Ah mais non, mais en fait, il ferme la porte à clé, le gars il est enfermé à l'intérieur, hop c'est bon, je peux plus sortir, adieu !» Avant d'aller le combattre. It's all right. I'll deal. Wait! Who cares if someone created you? You are you, and nobody else. You have your own heart inside you. Ici, c'est un endroit ultra important. Those feelings and memories are yours, and yours alone. They're special. Mais avant, ils avaient sorti que le 1, le 2, et puis le 3, là, il y a pas longtemps. Mais ils, entre le 1 et le 2, ils n'avaient pas sorti ça, j'imagine. How real your feelings are. That's good enough. Du coup, les gens, ils ne devaient pas comprendre. Si, c'est vrai. Ah, ok. Riku. Ça date, ouais, ça date de la PSP. Riku. Can you put our memories back? Yes. Not remembering something doesn't really mean that it's gone. What do you mean? When you remember one thing, that leads to remembering another. And then another, and then another. Our memories are connected. Many pieces are linked together, like they're in a chain that makes up each of us. I don't actually erase any memories. Just take apart the links and rearrange them. You still have all your memories. So you ouais, c'est le pouvoir de yes, de Pudding. First, bon, okay. I have to undo the chains of the memories I made on my own. After I've done that, I have to gather up the memories scattered across each of your hearts, and then reconnect them. It might take some time, but I think it might work. No, it will work, I'm sure. It's my turn to look after you. All right. We all really trust you. Oh, wait a second. You said you'd have to undo the links of the memories you made. But that means... Qu'on va l'oublier? Yes. You won't be able to remember anything about what happened here. Not even you? I'm sorry. It's the only way, I'm afraid. Sora. You have a choice. You can lose your memories of this castle and reclaim your old ones, or keep your memories here and give up the memories that you've lost. Do I have to choose? Yes. Make me like I was. Oh, okay. Nobody needs to keep a bunch of memories that aren't real, right? You want to remember all of the people who are really important to you. Anybody would choose that. Non, on dirait qu'elle lui reproche. Elle est triste, bah tu m'étonnes. To remember again, we have to sleep in that? Yes. It's going to take a little time, but I'll take care of you. Gorge, when we wake up, we won't remember who you are anymore. But how are we gonna thank you? Don't worry about that. I'll just make a big note in my journal
and it will say thank Nominee. Oh, good. That makes me feel better. Well, good night then, Nominee. Yo, Alix. Good night, Goofy. You too, Sora. Okay. All of this may have started with a lie, but I really am glad that I can meet you, Sora. Yeah, me too. When I finally found you, and even when I remembered your name, I was happy. The way I felt then, that was no lie. Goodbye. No, not goodbye. When I wake up, I'll find you. And then there will be no lies. We're gonna be friends. Ouais, ça va, et toi? Vu que je me suis levé tôt, j'ai décidé de live beaucoup plus tôt. You're going to forget making that promise. If the chain of memories comes apart, the links will still be there. Du coup, t'as pu tester la Game Boy avec plein de jeux. Parce qu'il a trouvé une Game Boy, une vieille Game Boy, hein, en parfait état pratiquement, pour 20 balles. Yeah, you're right. Okay, it's a promise. Good. Until later. Tu sais, avec son emballage et tout, quoi. Franchement. A promise. J'en sors plus de Watch, j'ai juré MDR. T'as regardé combien ça valait ce genre de truc normalement? In the shadows of your heart, and I won't be able to find them. But don't worry, you made another promise to someone who you could never replace. She is your light, the light within the darkness. Remember her, and all the memories lost in the shadows of your heart will come into the light. Another promise. Look at the good luck charm. I changed its shape when I changed your memory. But when you thought of her just once, it went back to the way it was. Introuvable en boîte avec aucun défaut. Oh là là. J'ai qu'à faire le 2 pour revoir Sora, mais on va faire d'abord le 365 et demi, là. Je sais pas quoi, 358. My friends. Nominee? Don't worry. You might forget about me. But with our promise, I can come back. A promise is a promise. Yes, one day the light, it will be ours and it will bring us together. Till then, I'll be in your heart. Right. Forgotten, but not lost. Et c'est fini! Et adieu la monétisation! Ah putain, à chaque fois qu'il y a cette musique, je me prends une engueulade de YouTube. Pour de vrai. Alors que ça fait partie du jeu, hein, mais...
dès qu'il y a des copyrights, même sur une musique de jeu, vous savez que la musique, bon je l'ai déjà dit à une époque je crois, mais la musique de Cynthia par exemple, elle est copyrightée. Genre tu joues à Pokémon Diamant, Perle ou Platine, le combat final, tu te reçois un truc de YouTube quoi. Franchement, dès qu'une musique est dans un jeu vidéo, elle ne devrait pas être copyrightée pour le jeu vidéo, en tout cas. Selon la situation. T'en as pensé quoi? Bah, vu que je l'ai refait à 100%, c'est que j'en ai pensé du bien. Enfin, je l'ai refait à 100%, je l'ai refait pour pouvoir le terminer. C'est que je me suis amusé dessus. Mais j'ai été vachement surpris par la longueur du jeu. Après, ça se voit que c'est un truc à part, c'était pour nous présenter les... l'organisation, un peu. Tu vas bouffer à fond dans 358. Mmh. Tu vas les jouer ! Spoiler ! Je devrais acheter une corne de football là et faire POO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 
Ça mérite un ban. Oh. Ennemi vaincu 4195. Trésors spéciaux obtenus 4 sur 24, j'en ai rien à foutre. Card break, ouais, évidemment. Tour le plus utilisé, le coup de grâce, bah oui, forcément. Temps de jeu, 24h30. Journal complet à 82% quand même. Alors que j'ai foncé tout droit. Oh là là. Du coup, je reprendrai où ? Oh, ça a changé d'image. C'est Riku. Ah, c'est le théâtre, peut-être ? Reverse Rebirth. Hein ? Donc, il y a vraiment un truc à faire après ? Faut que je fasse charger la partie ? Juste pour voir. Ou alors une nouvelle. Je me demande si c'est pas une nouvelle, ouais. Là, je pense qu'on va apparaître devant le boss final. Ouais, c'est ça. Si je parle à Riku. Ouais, non. Ah, voilà. Bon, on va pas commencer la partie avec Riku tout de suite. On fera ça au prochain épisode. Tranquillement. Bon, il est un peu tôt. Pour Pokémon, je sais pas. Ou pas, hein. On peut très bien partir. Je vais juste peut-être grignoter un petit truc. Tranquillement. Et puis bah, on lancera Pokémon. Ouais, elle est magnifique l'image par contre. Du coup, je reviens dans... Oh, allez. Maximum 20 minutes. Et on part sur Pokémon. Tranquillement. Parce que bon, se lever tôt au final, ça donne faim. À tout à l'heure. Et merci à tous ceux qui ont regardé la rediff. Merci à tous ceux qui ont été présents. Et tout ça, tout ça. Des bisous. La ferme le jeu.